Et salut les potes, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Dokkan Battle pour tester le Bardock Timebreaker qui a eu son ZTUR cette semaine. Du coup voilà, j'ai fait le ZTUR, je l'ai éveillé jusqu'au niveau 140, SP 15, et comme vous le voyez, il a l'étoile arc-en-ciel, ce qui veut dire qu'il a 100%. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas le tester, ça peut être intéressant. Pour le tester les gars, on va l'utiliser en famille de Goku. Et on va faire le Goku Rush tout simplement pour voir ce qu'il vaut. Donc je me suis fait un petit kiff dans la team. J'ai mis un peu toute la famille de Goku, mis à part Goten. Il manque Goten les gars. Mais voilà, j'ai mis donc les Goku SSJ4 pour le lead. Le Goku Migate, donc c'est une autre forme de Goku. Le Gohan Tech, donc forme ado adulte après donc dans la saga de Boo. Et le Gohan ado LR les gars, que voilà, que tout le monde connaît, qui est un des meilleurs LR encore pour moi à ce jour. Suivi du Goku SSJ LR, très 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 bonne unité également. Donc on va rapidement regarder ce que fait le Bardock une fois ZTUR niveau 140, les 15, tutti quanti. On voit que aptitude leader, les gars, il a ki plus 3, PV, attaque, défense plus 80% pour tous les types. Donc pour les gens qui potentiellement commencent le jeu, il peut faire le taf, il peut bien... compenser votre manque de leader, vu que lui il lead tous les types, que ce soit extrême, super, tout le monde. Donc ça c'est plutôt très très cool. Concernant l'aspect, ça va up son attaque et sa défense, mais en plus il va debuff l'attaque et la défense de l'ennemi. Donc ça c'est très très bien. Concernant l'aptitude passive, attaque EDF plus 100% en face de deux ennemis ou moins, qui plus 1 attaque plus 50% s'il y a plus de deux ennemis. Donc en soi, why not. Et ensuite, s'il n'y a qu'un seul ennemi, c'est qui plus 1, attaque et def plus 30% en plus. Donc dans tous les cas, il a un buff, qu'importe le nombre d'ennemis. C'est mieux si s'il y a deux ennemis, clairement. Mais voilà. Donc on va partir, voilà les objets classiques. Let's go les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu, de commenter, les gars, ça soutient, ça fait plaisir. Donc on est parti pour ce Goku Rush. Je verrai si lors du montage ou pas, j'accélère certaines phases, parce que voilà, les premiers combats, on sait que c'est pas ça qui pose souci, c'est pas là qu'on voit le vrai niveau du personnage. Mais voilà. Donc let's go. Voilà, parfois en plus on l'a en premier. Donc je pense que j'ai envie de me faire le kiff de le mettre avec le Goku... Ouais, en plus, ça booste plus son attaque. On va se faire ça. On va juste faire ça. Comme ça, avec le Goku, on va tenter de partir en spé ultime. Voilà. Et avec l'autre, on va plutôt faire comme ça. Faut pas faire avancer la jauge du Dokkan mode trop vite, les gars. Alors, on a vu une stat. La valeur d'attaque, c'était 200 000 et quelques, je crois. 2 millions, j'ai pas fait gaffe. Ok, 1 350 000. Ce qui est plutôt pas mal, les gars. On va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Il n'y avait pas de coup critique, là, en plus. Le Goku, combien? Il est énervé, le Goku. Il est énervé, les gars. Il a tapé plus fort que le Goku, les frérots. Il a tapé plus fort que le Goku, donc c'est plutôt pas mal, quand même. Et après, le Goku, SSJ4, on va voir comment il tape. Est-ce que c'est Bardock qui va taper le plus fort des trois, les gars? Ah, c'est similaire avec le Goku SSJ4. C'est dommage, on aurait pu le one-shot, mais ça ne s'est pas fait. Là, je vais laisser le Migate et le Gohan. Là, pareil, je suis exprès de ne pas mettre les bonnes couleurs pour ne pas faire pop le Dokkan mode trop vite. Hop. Sans le Migate, il va esquiver, logiquement. Voilà. Comme ça, en plus, ça le booste les stats lorsqu'il esquive. Ok, donc premier adversaire KO. Donc là, voilà, rien de bien compliqué les premières phases. De toute façon, c'est face au Migate hein, que ça sera compliqué, les gars. Tout, je sais plus, il y a une intelligence, je crois. Eh oui, c'est une intelligence. Donc là, ça va être très très dur pour le Bardock, pour le coup, à la fin. Qu'est-ce que je fais là? Parce que ce serait que le Gohan, je le kiffe aussi. On va voir en défense. Qu'est-ce qu'il vaut en défense? On va faire ça. Là, pour le Gohan, on va faire ça. Et comme ça, je pars en spé ultime avec le Goku également. Voilà.
On va voir là. Bon, là, il a face à son bon type. Hein, donc voilà, 45. Forcément. À la limite, c'est plus une spec. J'aurais aimé voir combien il tank. Ah ouais, 2,5 millions de valeur d'attaque. C'est vraiment pas mal du tout. Ah ouais, les gars. Bon, c'était contre un type AJ, mais quasiment 3 millions, les gars. C'est vraiment puissant quand même. Voilà, pour dire le Gohan, il tape même pas 1 million. Donc c'est vraiment puissant. Et le Gohan, voilà. 17 000 sur une spé. Bon, on connaît la bête, hein, j'ai pas besoin de le représenter celui-là. Et le Goku qui va le terminer. Non, même pas. Encore. Et ils ont que des petits traits comme ça à chaque fois. À chaque fois. On va voir, est-ce que mon Migaté va esquiver pour pouvoir le terminer. Tac et tac. Bon, il a même pas esquivé. Bon, après, vous avez vu, Migaté, même face à son mauvais type, il tank comme il faut sur les attaques basiques. Ok, 1 million quasiment face à mauvais type. Ça va, on va pas se plaindre. Hein. Alors là, on est face à un type vert. Oui. On va activer la transfo du Gohan quand même. Ça sera sympathique. Voilà. Sugoi. Subarashi. Eh oui. Let's go. Fais-nous du sale Gohan. Elle est longue la transfo. Si vous avez ça en random rush les gars, ou le temps compte, vous êtes pas bien. Comme ça, petite spé ultime du Goku si jamais c'est pas suffisant les deux. Voilà, on voit que... Ah, une spé, on va voir combien il tank face à une spé. Ah, 121 000, ça pique un peu quand même. Ça pique un peu, mais bon, c'est normal. Let's go, après plus il fait d'SP, plus il se buffera, donc voilà. Après face aux attaques classiques, voilà, vraiment il craint rien. Donc soit que là face au Migaté Int, les gars, vraiment il faudra que je fasse gaffe. Parce que là il prendra cher par contre le Bardock. Oh, il a fait bien à peine la moitié de ses PV là, hein, sur ce tour. Ok, Migaté esquive. Donc là, il y a une valeur d'attaque de 4 millions. Donc là, ça va taper quand même 4 millions, les gars. Je rappelle, j'ai un doublon sur le Migaté. Ouais, 1 600 000, ouais. Ça pique. Le Gohan qui devrait terminer s'il fait un critique, même sans critique, je pense, ça devrait le faire quand même, il lui reste pas beaucoup de vie. Ah oui, ben voilà. Critique, 3 300 000, voilà, c'est réglé. Ok, on est face au Goku SSJ3, donc là c'est un type agilité, donc en fait il y a pas mal de phases où le Bardock va se faire plaisir, les gars, clairement. Mais c'est à la fin où ça va être compliqué, clairement. Hop, ensuite, Gohan. Je vais te faire ça. Comme ça, on économise le. L'Odokan mode. Et Goku, pareil. On part en spé ultime sans utiliser sa couleur bleue. C'est parfait. Alors, 2,8 millions de valeur d'attaque. Enfin, il faudra que je vous montre un peu les valeurs qu'il a aussi de base. Ouh, quasiment 3 millions. Ah, mais il se prend une spé. Combien? Voilà, 17 000. Après, c'était contre un type bleu. Mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal comme défense. Là, le Gohan aussi va faire mal. Après, Gohan, j'ai 0 doublon, donc il part quasiment jamais en crit ou attaque sup, là. Donc, c'est normal, ça tape pas très fort. On peut pas trop comparer un perso qui a 0 doublon, un perso qui est 100% ZTUR, voilà. C'est pas très étonnant que Bardock arrive à taper plus fort que le Gohan. Alors, ici, est-ce que je fais le fifou à... Ouais, on va miser sur les SP... Les esquives de Migaté, les gars. On va miser dessus. On y croit. Ok, une esquive. Deux esquives. Donc là, il y a plus de 700 000 valeur d'attaque. Ah, il s'est mangé une attaque, dommage. Ouais, là, ça va piquer. Là, il s'est buff en plus comme il faut, le petit Migaté, là.
Là, tu peux blue ou pas, il s'en bat les reins. Voilà, 1 600 000. Réglé. Ok, on est contre Goku God. Du coup, bah, toujours pareil. Les gars, j'ai envie de vous montrer, voilà, vraiment le Bardock, là, bam, bam, bam. Je le mets toujours en premier, il se prend des tatanes. Mais le but, c'est de tester, de voir ce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre. Donc, voilà. C'est normal, les gars. Toujours pareil, face aux attaques basiques, il est parfait. Après, j'aimerais voir combien il se prend par le Goku Int quand même en attaque basique. Ok, 1 130 000, ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Ah, il se prend une spé. Là, ça a piqué un peu. 150 000, par là, je pronostique. 156 000. C'est, ouais, c'était logique, c'était logique. Allez, le Gohan, lui, par contre, en défense, voilà, c'est un mur. C'est le mur de SNK, lui, clairement, les gars. Ok, le Goku qui fait son attaque spéciale ultime. Avec ses dents là. Il est vraiment énervé. Après, il tape pas beaucoup, c'est normal, c'est contre un type tech. Faut que t'esquives tout migaté par contre. Ok, une esquive. Dommage. Ok, là quasiment 5 millions d'attaques, quasiment les gars. Il fait très très mal migaté. Un petit critique, ça ferait plaisir. Ah dommage, 1 700 000. Ouh là 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 là. Il n'y a pas eu de spé contre migaté, c'est dommage. Ça, s'il fait une spé contre Gohan, à tout moment, on peut perdre. Gohan ou Goku, et Goku, il peut contrer, donc voilà. 1 300 000, ok. Donc là, toujours pas de spé, ça sera contre le Goku peut-être. Et il a intérêt d'esquiver le Goku, sinon je peux perdre, je crois. Non, ok, il a pas fait de spé, les gars, donc on est plutôt bien. Là, par contre, en fait, faut que j'arrive à ne pas faire le Dokkan mode, là, en fait. Clairement. Bon, là, je vais mettre le Gohan. Un... Je pense qu'on va réussir, les gars. 2. Voilà. J'ai envie de croire que je vais pas manger de spé. Et de toute façon, je pense qu'il va tanker Gohan. Ah oui, voilà. Regardez les stats. Gohan. Bon, du coup, ouais, les gars, c'est ouf. Oh, c'est ouf. 690 000 pour Gohan. 744 000 de valeur d'attaque pour le Bardock. 744 000, les gars. Ah, il stack de ouf, hein, je vous le dis. Hein. Et 173 000 de défense. C'est, voilà, c'est, le mec, c'est un monstre, quoi, je vous le dis. Donc, en fait, là, j'aurais même dû le mettre en premier, quoi, les gars. Bon, on espère pas se manger de spé. J'ai pas envie d'utiliser d'objet maintenant. Ok, ok. Allez, Gohan, si tu peux le terminer là, ça serait bien. Quasiment 3 millions de valeur d'attaque. Let's go. Ah, il est pas mort. Ok, c'est bon, Bardock pourra le terminer. On va voir. Là, voilà, 3 millions de valeur d'attaque pour le Bardock. On va voir combien il affaiblit. Ok, 1 200 000. Mais là, vraiment, en plus, du coup, il se buff encore. Hein. Je pense que c'est du buff ouais, à l'infini, donc c'est insane. Hein. Là, les gars. Ouais, clairement, je vais faire... un beau Dokkan mode avec le Gohan. Voilà, on va faire ça. Au moins, il y a 3 spé ultimes, les gars. On est content. Allez, let's go, Dokkan mode. Ok, c'est parti. On va voir s'il peut faire un critique. Ça, c'est magnifique, le Gohan. La critique, il lui fait du sale. Un point pas possible.
Let's go, comme il affaiblit. Ah, pas de critique, dommage. 3 millions 7. Ah, il reçoit l'aspect du Goku. Combien ça va taper? Après, Gohan, un des meilleurs tanks aussi hein, de mon équipe. Ouais, voilà. 52. Ah, les gars, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. 52. Bon, après, j'avais Ebi, mais je pense que ça aurait fait pareil. Ok, 1 130 000. Voilà, je regrette pas d'avoir mis Ebi, même si potentiellement. Avec le. J'aurais pu quand même me régénérer avec le. Dokkan Mode, mais bon. Ok, donc il reste plus que 2 barres de vie quasiment. Let's go, let's go. Donc là, on regarde les stats. Hein. Voilà. Ça a encore augmenté. C'est n'importe quoi, les gars, les stats qu'il a. C'est n'importe quoi. Hop. Ici, on va faire ça. Et là, on va faire ça. Comme ça, ça part en spé ultime. Let's go. Franchement, le stack illimité comme ça, c'est vraiment insane. Et c'est dans les modes du style Goku Rush, SBR que... Oh là là, l'attaque sup, les gars. L'attaque sup sur un coup critique juste avant, je crois. Donc là, vraiment, il lui laisse aucune chance au Goku. Voilà, à coup de 2 millions à chaque attaque. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment abusé. Allez, on va commencer à se frotter à du migaté là. Bon, là, il est face à 3 types AJ, donc ça va pas être simple pour lui. Hein. Sans objet, on sera plutôt tranquille. Alors, première spé ultime, on va voir comment ça affaiblit. Là, j'ai pas regardé les stats de. Faudrait que je regarde aussi, mais je pense que là, toute l'équipe, il commence à avoir des stats bien cheatées. Voilà, petite attaque sup. Ok, le Goku, il va debuff en plus, donc c'est parfait ça. Ok, 1 300 000. Ah, il prend quand même du 22k, normal. Je crois que c'est son attaque non ultime qui peut lui faire buff la défense, je crois, ce Goku SSJ. Voilà, 113 là, le Goku SSJ 4 qui tank très très bien. Allez, on passe au BG. Là. Ah, j'ai envie de laisser pour le fun là. Mais après, il faudra que je sorte. Le Gohan ou le Bardock, mais voilà. Parce qu'après, face au Migaté Int, ben, il faudra que je laisse mon Migaté Puissance. Donc là, on est sur 690 000 de valeur d'attaque. 225 000 de valeur de défense. Donc là, il met le double à Gohan en défense. Et c'est clairement le meilleur en attaque. Clairement. Donc c'est insane. Voilà, j'ai pas d'autres mots, les frérots. Hop. Là, je vais faire ça histoire que Migaté parte en spé ultime. Let's go. On va voir combien il tank face aux attaques classiques. Ok, 3 200 000 maintenant de valeur d'attaque. Donc voilà, ça augmente. Chaque tour, les gars, ça augmente un peu plus les valeurs d'attaque. S'il y a du critique, ah dommage, il n'y a pas de critique, mais ça ferait extrêmement mal s'il y avait du critique. Donc on voit, il tank très très bien encore les attaques classiques. Le Gohan. Ah, il esquive l'attaque du Gohan. Dommage. Gohan, il défend un peu moins. Du coup, on le voyait sur les stats défense, il a le double Bardock, donc c'est normal que Gohan subisse un peu plus. Migaté, son attaque impasse. Parfait, 1 100 000, très bien. Oh, il a pas esquivé. Ah, quand même, tu me fais peur là, Migaté. Putain, 2 attaques sur 3 qu'il a pas esquivé, quand même. Il a mangé 15 000. Bon, c'est pas énorme, mais quand même. Face à ces trois-là, il va prendre cher. Parfait. Il esquive pas celle du Gohan. C'est celle-là que je ne voulais pas qu'il esquive surtout. Ok, 2 millions 6. Oh, l'attaque sup, les gars, du Gohan. Il esquive pas, c'est parfait. Ça, les gars, c'est très très bien. 1 630 000. On va voir combien il tank le Gohan. Normalement, il va très bien tanker. Voilà, 105, les gars. C'est vraiment un monstre, ce Gohan. Je vous le dis, je vous l'avais dit, c'est mon LR. Un LR préféré avec le Migaté Puissance. Et je trouve vraiment que c'est un des meilleurs aussi pour les modes de jeu comme ça. Voilà, 2 millions.
Là, les gars, on va commencer à s'attaquer au lourd. Voilà. Le dernier, la dernière phase, les gars. On y est. J'ai utilisé un objet pour le moment. Donc là, ce qui me fait peur, c'est que voilà, il tape beaucoup. Donc, certes, il a de belles valeurs de défense, le Bardock, mais je pense qu'il va prendre cher. Donc, on va quand même mettre un dragon. On va mettre un dragon. Et je vais sortir le Gohan du coup de la rota. Je sors le Gohan de la rota et je fais comme ça. Je vais jouer déjà la... l'aptitude du Goku, de toute façon. C'est le dernier, donc... faut lui balancer la sauce. Ok, ouais, c'est un 600 000 à peine. Je lui dis, il a beaucoup de PV, ce Migaté-là. Alors... là. On va faire ça. Il part pas en spé ultime le Goku et je crois que c'est un spé ultime qui se buff, augmente énormément l'attaque et la défense. Augmente énormément la... Ah non, c'est bon, il augmente la def également. Donc c'est bon, c'est le principal, c'est ce que je voulais. C'est que la def soit bien montée. Et là, hop. Allez, Bardock, j'aimerais bien que tu... Ah, ça va. Bon, oh là là, il se prend l'aspect les gars, il se prend l'aspect. Combien? On va voir, mais là c'est le test ultime les gars. 175 000 avec le dragon. Ah, il a esquivé. Quel dommage, j'aurais bien aimé voir combien il tape. Donc on peut voir que... Heureusement que j'ai mis le dragon parce que 175 000 quand même c'est beaucoup. Et après il encaisse très très bien les attaques basiques. Mais là, faut que je fasse gaffe. Voilà, toutes les spé peuvent être dangereuses, hein, clairement. Là, le Goku qui tank très très bien. On s'y attendait. Gohan, parfait, ça passe. Il a pas fait bien beaucoup, je pense. Oh, le critique du Gohan. Oh, il fait plaise. Oh, il fait plaise, le 1 million, quasiment 600 000. Dokkan Mode, est-ce qu'on va avoir l'occasion de l'utiliser ou pas? Voilà, je ne sais pas. Migaté qui n'a pas esquivé ce chien. Du coup, il n'a pas pris de buff là, c'est dommage. Mais bon, il tank très bien après, donc c'est pas un problème. Surtout s'il y a une spé en fait, j'aimerais bien qu'il esquive. Ouais, par contre, là, il esquive que dalle. Je crois qu'il a atteint un nombre de tours où il esquive plus là, tu vois. Non, le Gohan. Oh là, yes. Yes. Heureusement, il fait l'attaque sup. Mais par contre, c'est pas une ultime. C'est dommage. Mais bon, c'est toujours ça. Et le Goku, parfait, il esquive pas. Donc là, on est quoi? Bientôt à la moitié de sa vie, je pense. Ouais, non, bientôt plus un tiers, les gars. Je me suis même pas emporté, c'est un tiers de sa vie. Là, il a pas fait de spé sur ce tour. Ok. Donc ici, on va partir sur... Là, on part en spé ultime. Là, on part comme ça. Bon, on a 500 000 PV quand même. Sans objet. Les gars, là, on est sans objet. Hein, faut le rappeler. Voilà, Bardock, les gars. Regardez les valeurs d'attaque de Bardock. 1 116 000. 1 116 000 et 260 000 de def. On dépasse la barre du million, les gars. C'est tout simplement incroyable. Par contre... C'est bien beau tout ça. Ou est-ce que je remets pas un dragon? Je pense que je vais remettre un dragon, les gars. Tout simplement. C'est pas grave, je vais quand même assurer la game. Ça serait con de perdre maintenant. Parce que dans tous les cas, je sais que les valeurs, les attaques basiques, on sait qu'ils les encaissent très bien. Mais c'est plus les specs qui me font peur, en fait. Donc, voilà. Je vais mettre un petit dragon pour assurer tout ça. Hop, let's go. Et l'aspect ultime avec le Goku qui va le debuff un peu. Voilà, en plus il fait une spé d'entrée sur mon Goku SH4 qui n'a pas sa def augmentée. Donc là ça va piquer, heureusement que j'ai mis le dragon les gars. Voilà, 212 000, j'ai bien fait de mettre le dragon.
et c'est maintenant qu'il pourra tanker en défense. C'est ça le problème avec le Gru, quand s'il se fait attaquer avant, ben voilà. 600 000, ok, voilà, et là il tank. C'est pour ça que j'ai bien fait, les gars. Sinon, j'aurais pu être mort, clairement. Ah, si tu peux faire un critique Bardock, ça serait énorme. Un petit critique, s'il te plaît. T'es 100%, c'est bon. Aïe, 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 dommage. 450 000 à mauvais type, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est contre le mauvais type, on le rappelle. Alors, le Goku, boum, 730 000, ok. Donc là, je vais pas chercher à comprendre, les gars, je vais mettre un Franky. Parfait. Putain, non, je croyais qu'il esquivait pas. Là, c'est chiant, ça, quand même. Ouais, je pense qu'avec ces esquives un peu chiantes, là, il y a de fortes chances que je fasse le Dokkan Mode. Ok, 1 300 000 quasiment. Donc là, on est à la moitié de sa vie, les gars. Moitié de sa vie. Ok, Gohan, il esquive pas son attaque. Parfait. Combien? Oh oui, encore le critique du Gohan. Oh, il me met bien. Il a fait deux critiques là, ça m'a mis extra bien. Il reste 3 barres et un peu de la quatrième là à peine. Waouh. On va faire ça. On va faire ça. Et ça. Donc là, il va prendre cher sur les deux premières attaques. Ouais, 25 000. Heureusement que c'est des attaques basiques. Là, au moins, maintenant, il va tanker. Allez, Goku, fin critique, là. Oui, le critique, 1 600 000. Allez. Plus que 2 barres bientôt. Ça serait bien que tu fasses un critique, Bardock. J'aimerais bien voir combien tu peux taper contre le Goku Ent du Goku Rush. Oh oui, le critique, 1 800 000, les gars, je vous ai dit. Même contre le Goku, vous inquiétez pas qu'il est là, le Bardock. Même contre le Goku. Ah, par contre, il se prend l'aspect. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il se prend l'aspect, les gars. Combien? 200 000. Ouais, ça pique, les gars. Ça pique, ça pique. Et il esquive l'attaque du Goku, dommage. Mais en vrai, ça va, parce qu'il y a pire que 200 000, les gars. Je le tiens. Bah du coup les gars peut-être que le... Bah, après si toutes les attaques impassent... Ouais, par contre le Goku j'ai oublié qu'il esquivait plus là, j'ai peut-être fait une boulette. S'il me fait une spé je suis mort sur le Goku. Ce qu'il esquive plus Goku, le Migaté là. Oh ben non mais voilà. Bah les gars Migaté il a voulu en terminer. 300 000. 300 000 les gars. 3 millions pardon. Ben voilà c'est terminé. Donc honnêtement... Je suis très agréablement surpris du Bardock Timebreaker. Il est excellent, je trouve. Vous avez vu ses valeurs, comment il gonfle. Plus le combat dure, mais plus ça gonfle. Donc c'est vraiment voilà, 29 minutes. Sachant que je prenais le temps un peu de parler, etc. pour la vidéo. Donc franchement, c'est plutôt propre. Très content du Bardock. Excellent en attaque. Excellent en def. Et vous avez vu que voilà, ça stack à l'infini. Donc clairement, dans les combats longs, le mec, il va se faire plaisir comme pas possible. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les potos. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à commenter et à vous abonner. On est bientôt à 1 300 abonnés, donc ça fait grave plaisir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne Twitch, les gars. Je suis en train de la développer au max. Je fais des lives quasiment tous les jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer, ça fera plaisir. C'était Guillaume InGame, les gars. Ciao, ciao.